Señoras y señores, les deseo la bienvenida al canal de los sandwichers. Voilà, mais qu'est-ce que tu racontes, Grégory? Je comprends rien du tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Hola. Ça va? Hola. Qu'est-ce qu'il a, le petit monsieur? Ah. Alors aujourd'hui, on va faire un truc mexicain. Je croyais que j'étais parti en voyage. C'est le Mexique qui nous attend aujourd'hui, les sandwichers. Ouais. Hein? Quesadilla. Hein? C'est pas beau, ça? Voilà. On vous explique tout juste après le générique. Mais comme d'habitude, Grégory, elle est là-bas, la cloche. Il est là, l'abonnement. Des likes. Voilà, et puis on n'oublie pas de partager. Des partages. Hein, avec les copains. A tout de suite, Bamonos. A tout de suite, Bamonos. À fond, la bam. Bou, bou, bou. Salut les sandwichers. Salut les sandwichers. Alors, Grégory, comme promis, aujourd'hui c'est le Mexique. Voilà. Avec la quesadilla. Sincronizada, exactement, mais nous on va dire quesadilla, c'est plus facile. Alors, donc, tortilla de blé, jambon de galette. Voilà, du jambon, cheddar, emmental. Après, on va faire un petit accompagnement qui s'appelle pico de gallo, le pic du coq, ça veut dire, avec de la tomate, de l'oignon, du citron vert et du coriandre. De la coriandre, pardon. Fraîche. Corée. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Tu prépares les tortillas? Moi, je prépare les tortillas. Moi, je vais préparer le petit accompagnement Piquito Gail de Gallo. Allez, c'est parti. Allez. Let's go. Vamonos. Je prends une première tortillas de mon côté. Hop, voilà. Tu m'arrêtes si je fais des erreurs, parce que moi, j'ai pas vite au Mexique. On prend le jambon blanc. Voilà, tu étales. Hop. Voilà. Voilà, très bien. Le jambon est en place. Je mets donc le cheddar. On est généreux, hein. On en. Ah bah là, on est parti, hein. Je fais toi plaisir. Voilà le cheddar. Le cheddar. Mental. Et mental. Je mets tout, les mentales. Mets tout. Mets tout. Ouh. Allez. Bon, c'est pas ces fromages-là qu'ils utilisent au Mexique. C'est le fromage mexicain, mais on n'en a pas ici. Donc c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Oui, on va prendre l'épaisseur, hein. Ensuite, ouais. Moi, donc je mets l'oignon dans mon petit pot. Voilà. Je referme. La tomate. Coupe bien ce couteau. Hein. Coupe très bien. Oui. Fraîchement aiguisé du matin. Allez, je mets bon. La tortilla sur le feu. À chauffer, tu mets le fromage en dessous, comme ça il a commencé à fondre. Non, mais là tu me fais faire une galipette. Voilà. Alors, les sandwichers sont aussi des acrobates. Regardez-moi ça. Allez. Niveau cholestérol, on est comment là? On est bien. Donc là, tu nous fais la petite sauce qui va servir à tremper une fois terminée. Ouais, on va mettre ça sur... exactement, oui, on va pas tremper, mais on mettra dessus au fur et à mesure qu'on mangera. On va voir ça en image. Hop, voilà. C'est bon, on mélange. Allez. Hop. On... mélange. Voilà. Le petit citron vert. Citron vert, parce que là, au Mexique, sans citron vert, ils peuvent pas vivre. Voilà, c'est la base. Donc, allons-y sur le citron. Ensuite, coriandre du jardin à Arnaud. Le cheddar, il rigole pas là. Donc, une fois que le fromage aura commencé à fondre, on va aplatir, comme ça, après, il va sortir sur les côtés, il va cuire. C'est génial. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Voilà, ça, ça va là. Moi, je goûte le petit cheddar en attendant. J'ai un petit peu faim, Grégory. T'as faim? Ouais, grave. On va manger, on va manger. Ensuite, ça, hop, allez, on fait des petits. On arrache un petit peu les feuilles. Ça touille, ça touille, on ça touille. On a mis la coriandre, voilà. La coriandre, la tomate, les oignons. Voilà, et ben là, c'est bon. Jus de citron, on est bon. On peut retourner la quesadilla pour que le fromage fonde de l'autre côté. Bon, je vais prendre une petite spatule parce que là, je crains la brûlure. Allez, vas-y. Très bien. Voilà. On va accélérer tout ça, hein. Et si on accélérait tout ça? Et ben voilà. Pas mal. Allez, on reste veillé quoi. Très bien. 2 minutes, on voilà, est bien. Reste 2 minutes. Voilà. On peut la mettre sur la planche. Hop. Voilà. Je te laisse la couper en 4. Très bien. Ça va très bien cette histoire. Hein.
picot des gaillots ici. Et on passe à table. Voilà, mesdames, messieurs, les sandwichers, la quesadilla est prête à être mangée. C'est tout pour aujourd'hui. Je dis bon appétit les sandwichers. Voilà, on fera d'autres recettes. Dites-nous bien ce que vous en avez pensé quand même, parce que ça, ça m'intrigue et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo. Je vous le dirai. Hein. Allez, à bientôt les sandwichers. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Ouf. T'as parlé espagnol? Oh merde!